Bonjour à toutes et à tous, nous sommes jeudi et c'est reparti pour une nouvelle aventure télévisuelle. C'est un énorme plaisir pour nous d'être ensemble avec vous et de vous accompagner tout au long de cette matinée ou de cette matinale si vous le préférez. Demain, on va être vendredi, ça va être le vendredi de la culture et de la société. Et nous allons parler de cinéma, nous allons parler de littérature, nous allons parler beaucoup de culture. Prenez simplement le rendez-vous. Pour l'heure, c'est jeudi, c'est le jeudi de la politique. Et une fois de plus, nous allons nous mettre au pas de la politique, aussi bien nationale qu'au plan international. Ricardo Lekpeku, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge Senandi Ayaka, mesdames et messieurs amis téléspectateurs, bien bonjour, un plaisir de vous retrouver donc en ce matin du jeudi 6 décembre 2018. Nous parlons essentiellement politique, comme vous l'avez dit, espérant que vous avez eu un très bon réveil. Je vous demande de rester en notre compagnie jusqu'à 8h45, rien que pour votre plaisir, rien que pour notre plaisir, le plaisir justement de passer ces moments agréables avec vous. Allez, ce jeudi, nous allons pouvoir donc parler politique et depuis quelques jours déjà, la présidente estonienne est au Bénin. Oui, ce grand pays qui justement a évolué dans le numérique, dans les technologies de l'information et de la communication. Sa présidente donc est au Bénin. Elle a eu une séance avec le président de la République. Alors, cette visite de la présidente estonienne constitue-t-elle un début d'une série de visites de présidents, d'hommes d'État ou de femmes d'État dans notre pays? Nous nous posons cette question et nous nous posons également une question. Vous le savez, le week-end dernier, au Palais des Sports de Cotonou, il y a eu donc ce congrès du Bloc progressiste. Ce samedi, à Parakou, le Bloc républicain également va pouvoir être porté sur les fonds baptismaux. Alors nous allons pouvoir décrypter, scruter toute cette actualité et par rapport à cela, nous avons une question pour vous. Quelles sont selon vous les chances de survie des différents blocs constitués dans le milieu politique béninois? Quelles sont selon vous les chances de survie des différents blocs constitués dans le landerneau politique béninois? Vos commentaires nous intéressent. Rejoignez-nous sur nos différents canaux, Facebook, Twitter ou encore WhatsApp. Utilisez le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et tout à l'heure, nous allons lire quelques-uns de vos messages que vous nous aurez laissés. Et parlant justement de bloc, hein, tout à l'heure, dans l'instant politique, Gilles Dansou recevra pour vous un membre influent du bloc républicain dans la réforme du système partisan. Il nous parlera un peu des défis de ce bloc en construction, bien sûr. Absolument. Il a nom Jean-Baptiste Onguet. Nous allons pouvoir donc le recevoir dans un instant. Il dirige la coalition Bénin en route. Il sera également question ce jeudi, comme tous les autres jeudis, du code de la route. Et dans le code de la route, aujourd'hui, on vous apprend à mieux réussir les changements de direction lorsque vous êtes sur la chaussée. Bien sûr que nous serons avec notre moniteur d'auto-école, Constant Dianoko. Il ne ratera pas le rendez-vous. Soyez donc des nôtres tout à l'heure. Ne ratez surtout pas la troisième partie, c'est le jeudi de la femme. Et puis aujourd'hui, Awa Sherif nous amène à la découverte d'une femme toute spéciale. Oui, Mira Rontondi, elle est malvoyante quand elle décide de surmonter son handicap. Elle est communicatrice, elle est décoratrice. Vous vous imaginez un peu bien tout ce qu'elle peut faire en dépit du fait qu'elle soit malvoyante. Troisième partie consacrée également au sport et puis à la revue de la presse béninoise. 5 sur 7 matin, c'est parti.
Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la chaîne BB24. À suivre dans les prochaines minutes sur 5 sur 7 matin, la revue des titres des quotidiens paru et parvenu ce jour à notre rédaction. Nous aurons le temps de vous rappeler la question du jour et puis évidemment de vous livrer les paroles de sages en ce jeudi, jeudi de la politique. Mais avant tout ceci, je vous convie à suivre le flash d'information, c'est le condensé de l'actualité des dernières 24 heures, une réalisation ce jour de Rebecca Kindian-Rondé. Nous sommes le jeudi 6 décembre 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans ce condensé de l'actualité. La présidente de l'Estonie est au Bénin depuis ce mardi soir pour une visite de 48 heures. Première étape de sa visite, un tête-à-tête avec le président Patrice Talon hier mercredi. Cette rencontre s'est élargie à quelques membres du gouvernement. Il s'est soldé par la signature d'un mémorandum d'entente relatif au consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères. Autre point essentiel à retenir de cette séance de travail, la coopération entre les deux États porte surtout sur la gouvernance numérique. L'Estonie est reconnue comme un leader dans le domaine des services numériques et déjà plusieurs entreprises estoniennes se sont manifestées pour investir au Bénin. Il s'agit entre autres de la société GhostWift qui offre des services de gestion de files d'attente, la société Cybernetica spécialisée dans le développement des technologies de l'information et de la communication et la société Efindec qui opère dans le domaine de la sécurité, de la surveillance et la protection électronique des sites stratégiques. Deuxième acte de la visite de la présidente de la République d'Estonie et sa délégation. Le communiqué conjoint rendu public est présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. À l'invitation de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, son Excellence Mme Kersti Kaljulaid, présidente de la République d'Estonie, a effectué une visite officielle au Bénin du 4 au 6 décembre 2018. La présidente de la République d'Estonie a vivement remercié le président de la République et son gouvernement pour cette marque de confiance. Au terme des échanges, son Excellence Mme Kersti Kaljulaid, présidente de la République d'Estonie, a adressé ses remerciements au président de la République du Bénin, au gouvernement et au peuple béninois pour l'accueil chaleureux et la convivialité dont elle et sa délégation ont fait l'objet au cours de son séjour au Bénin. La présidente de la République d'Estonie a saisi l'occasion pour inviter le président de la République du Bénin à effectuer une visite officielle en Estonie à une date de sa convenance. Le président de la République du Bénin a accepté avec plaisir cette invitation dont les dates seront convenues par voie diplomatique. Et puis, pour finir, si vous êtes propriétaire de voiture et qu'elle est toujours non assurée, retenez qu'il ne vous sera pas possible de circuler à Cotonou et dans les autres villes du Bénin. En effet, la police républicaine mène en ce moment même la guerre contre les propriétaires indélicats de véhicules non assurés. Je n'ai pas été soumise à ce contrôle, mais je suis à jour. Je ne crains rien parce que je sais que c'est pour mon bien et que je sois assurée. Vous ne savez quand vous allez faire un accident de circulation. Et c'est quand vous êtes assuré seulement que vous-même vous êtes protégé et celui avec qui vous faites l'accident aussi est protégé. Merci pour votre attention. À demain. Merci à vous, Rebecca Kindian-Rondé. Au plaisir de vous retrouver demain. À suivre dans un instant, donc, sur 5 sur 7 matin, les paroles de sages, la revue des titres des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction ce jour. Mais avant, on vous rappelle la question du jour. Quelles sont les chances de survie des différents blocs constitués dans le landerneau politique béninois? Dites-nous quelles sont les chances de survie des différents blocs
constituée dans le milieu politique béninois. Répondez donc à cette question via nos divers canaux de communication. Vous les connaissez, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Allez, on va lire une des quotidiens parus et parvenus ce jour à notre rédaction. Mais avant tout ceci, on marque une courte pause, le temps de voir si tout est prêt de l'autre côté. Et on vous revient juste après. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est pour un test de dépistage. Sur rendez-vous? Oui. Un instant, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, jeune homme. Connaissez-vous votre statut sérologique? Bien sûr que oui, et vous? Moi aussi. Bravo. Mais savez-vous que seulement 7% des hommes connaissent leur statut sérologique? Et pourtant, connaître son statut, c'est éviter la transmission du VIH-SIDA et se soigner au besoin. Évidemment. Alors, messieurs, faites-vous dépister pour préserver votre vie et préserver vos partenaires du VIH-SIDA. Au Bénin, nous n'avons pas d'intrant spécifique à l'anacardier, ce qui pose énormément un problème au niveau des ravageurs. Et nous essayons de traiter quand même avec les produits existants sur les marchés, ce qui n'est pas quand même bien. Nous sommes en collaboration aujourd'hui avec la recherche qui est à pied d'œuvre pour qu'on puisse vraiment disposer des produits quand même adéquats à l'anacardier afin de pouvoir faire face à ces ravageurs qui détruisent et les anacardiers pendant qu'ils sont en pleine floraison. Aujourd'hui, le Bénin étant le troisième mondial en matière de qualité, nous devons pouvoir sauvegarder ce label, ce qui nous amène aujourd'hui à sensibiliser les producteurs et à bannir l'ancienne pratique qui est de passer de la noix et en terre pour avoir une plantation. Nous voilà donc de retour pour les unes des quotidiens parus pour le compte de ce jeudi 6 décembre 2018. En attendant, on vous rappelle rapidement la question du jour. Quelles sont selon vous les chances de survie des différents blocs constitués dans le milieu politique béninois? Quelles sont selon vous les chances de survie des différents blocs constitués dans le milieu politique béninois? Vos commentaires, vous le savez, ils nous intéressent. Rejoignez-nous sur nos différents canaux Facebook, Twitter ou encore WhatsApp. Utilisez le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et tout à l'heure, Maurice Santan aura le plaisir de nous livrer quelques-uns des commentaires les plus pertinents que vous auriez laissés. Allez, on y va maintenant pour les une des quotidiens. On démarre par le quotidien de service public. Bien sûr, la nation, effort du Bénin dans le domaine de l'économie numérique, la présidente de l'Estonie admirative, c'est le titre en manchette de ce quotidien. Retrait du bloc républicain, Porto Novo divisé sur l'option du PRD, c'est un article à retrouver et à lire absolument. Réunion d'experts de la CEDEAO à Cotonou, booster l'économie par la technologie et l'innovation. Et à propos, justement, d'agriculture, l'agriculture bio protège nos sols et nos vies. Propos de Suzanne Élise Tamaplacide à retrouver dans les colonnes de La Nation.
Le matinal, la visite de Kersti Kaljuled au Bénin, d'importants accords signés, lire dans les colonnes du journal Le Matinal, le communiqué conjoint, et puis les efforts dans le numérique qui impressionnent également l'hôte de Talente. C'est un article, donc, tout un dossier à lire dans les colonnes du journal Le Matinal. Et puis réforme dans l'enseignement secondaire général, un test pour évaluer les enseignants, annonce donc le journal La Nation. Et puis, autre titre à lire donc dans les colonnes du journal Le Matinal, transformation des économies de l'espace CEDEAO, une réunion des experts se tient à Cotonou. Kini-kini dans ma tanière, fin de séjour de la présidente d'Estonie, des retombées positives pour le Bénin. Le journal vous propose le communiqué conjoint au terme de la visite. Affaires ICC Service, le dossier au rôle de la criette le 17 décembre prochain, annonce Kini-kini. Fraternité, Kersti Kaljuled, la présidente de l'Estonie au Bénin. Eh bien, le journal Fraternité se propose dans ses colonnes de nous faire vivre et revivre les temps forts de la visite de la présidente estonienne au Bénin. Et puis, à l'Aigle-État, dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Là-bas, le journal Fraternité, le canard de Ménantin, nous apprend que les malfrats tirent sur une dame. Et puis, il y a eu donc cette prompte intervention de la police républicaine. Journée nationale de lutte contre la corruption, associer les jeunes à la lutte pour mieux la réussir. Les quatre vérités parlent aujourd'hui de marchandage politique dans la ville capitale. Karim Da Silva fait des révélations. Il met fin, dit le journal, à 30 ans d'inconstance et clarifie la situation depuis la conférence nationale à nos jours. Visite de la présidente Kersti Kaljuled à Cotonou, l'Estonie et le Bénin renforcent leur coopération. Et à propos du congrès constitutif du bloc républicain, c'est Parakou qui accueille les congressistes samedi prochain à 9h, informe le journal. Le Béninois libéré, option d'une liste unique pour les législatives de 2019, le dernier schéma de l'opposition pose encore de grosses difficultés. Allez donc les explications dans les colonnes du Béninois libéré. Le Béninois libéré qui d'ailleurs affiche sa manchette les photos de Candida Zanahi, Rosine Soglo et puis de l'ancien président Boni Yayi. Et puis autre titre à lire également. À la une du journal Le Béninois libéré, dynamique unitaire pour le développement, un nouveau bloc en création. Le journal nous apprend que Houdé et Akpaunka sont tous pour Patrice Talon. Et puis, congrès constitutif du bloc républicain ce samedi à Parakou, Bagoudou et Toko satisfaits de l'évolution des travaux sur le site, nous apprend le journal. L'événement précis, le député Guimi Tokpe, invité de sous l'arbre à palabre du journal. L'opposition, dit-il, est désorganisée, inexistante, égoïste et refuse le sacrifice à propos du député Guimi Tokpe. Audience au domicile du président, Nicéphore Soglo sensibilise des personnalités à la Confédération des États membres de la CEDEAO. Le journal qui revient par ailleurs sur la visite au Bénin de la présidente de l'Estonie, Talon et Kaljuled densifient les liens de coopération, nous dit l'événement précis. L'économiste, pour finir, prix Ablaï Fadiga 2018, le contenu des réflexions primées, nous apprend le journal. Et puis, coopération bilatérale, bientôt des investisseurs estoniens au Bénin, sans doute à la suite donc de la visite au Bénin de la présidente estonienne. Et puis, autre titre à lire également dans les colonnes du journal Coopération Bénino-Japonaise, l'année 2018, riche au plan économique, annonce le journal L'Économiste.
Voilà, on vous retrouve tout à l'heure dans la deuxième heure pour la deuxième partie de la revue des titres des quotidiens parus pour le compte de ce jeudi. Jeudi politique par ici. Mais avant, vous le savez, hein, on aura droit tout à l'heure on aura droit au code de la route. Hein, on vous parle aujourd'hui de changement de direction sur la chaussée. Mais avant, la question du jour, quelles sont selon vous les chances de survie des différents blocs constitués dans le milieu politique béninois? Facebook, Twitter, WhatsApp 61 19 88 88, vos messages, ils nous intéressent. À propos de politique, de ralliement, de rassemblement et tout le reste, que nous dit-il le sage aujourd'hui? C'est un sage tout particulier et pas du tout tendre avec la politique. Annoncé si bien, Serge Senadiayaka, c'est un homme politique français plus précisément. Il n'est pas du tout tendre avec les politiques. C'est un député, un ancien député, un homme d'État. Il dit ceci: le ralliement, ça ne marche jamais. Ce qui marche, c'est le rassemblement. Derrière le ralliement, il y a le désenchantement et puis l'effacement. Derrière le rassemblement, il y a le courage et le succès. Et c'est François Bayrou qui nous le dit. François Bayrou dit ceci: le ralliement, ça ne marche jamais. Ce qui marche, c'est le rassemblement. Derrière le ralliement, il y a le désenchantement et puis l'effacement. Et derrière le rassemblement, il y a le courage et le succès. Ben ouais, il y a donc à comprendre la bonne signification des mots ralliement et surtout rassemblement. Ralliement, on pourrait trouver comme synonyme l'adhésion en réalité, mais le rassemblement, c'est tout autre chose. Les deux ne vont pas ensemble en réalité. C'est ce que nous apprend aujourd'hui François Bayrou. Derrière le ralliement, dit-il, il y a le désenchantement et puis l'effacement. Et derrière le rassemblement, il y a le courage et le succès. Allez, ça servira de boussole tout au long de cette journée, bien sûr, de cette journée politique sur 5 sur 7 matin. En attendant de faire de la politique pure et dure, nous vous emmenons maintenant sur nos routes. Et sur nos routes aujourd'hui, on va revisiter le code de la route. On parle là plus précisément des changements de direction sur la chaussée. On installe Constant Dianopo. Monsieur Dianopo, bonjour. Bonjour, monsieur Ayaka. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Bonjour, merci monsieur Ricardo. Bonjour, monsieur Dianopo, comment vous allez? Très bien. D'accord, bien réveillé. Bien. D'accord. Okay. Alors, aujourd'hui, on parle de changement de direction. Mais comme nous sommes à l'école, on revient légèrement sur ce qu'on a vu. La semaine dernière. Ouais. La semaine dernière, nous avions parlé du croisement. Oui. Et nous avons dit que le croisement a des règles. Et à côté des règles, il y a le comportement, c'est-à-dire la courtoisie. Oui. On est d'accord. Bien sûr. De règles pour croiser, c'est quand on circule sur la même chaussée à double sens et on circule en sens inverse. On se rapproche pour croiser, chacun garde bien sa droite. Et on ralentit et on se croise. Tout simplement. Et si c'est la nuit, nous avons insisté là-dessus, ouais. Il faut toujours croiser en feu de croisement, ouais. Qu'on appelle côte, pour ne pas éblouir son vis-à-vis. Mmh. On est d'accord. D'accord. Maintenant, pendant les croisements difficiles, c'est toujours les véhicules encombrants, c'est-à-dire les véhicules de grand gabarit, qui doivent s'arrêter et laisser le véhicule le plus maniable, quitte à passer facilement après. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous observons au niveau des conducteurs de camions, ouais. De titans, tout ça là. On est d'accord. Bien sûr. Bien. À part ça, nous avons dit là des panneaux qui indiquent qui doit passer, qui doit céder. Et quand on cède à quelqu'un, c'est ça qu'on doit insister. Quand on cède à quelqu'un au cours d'un croisement, celui-là aimablement doit
Merci. Remercie. Ben ouais. Pour encourager. Et vous avez dit qu'il doit le faire de façon aimable. Aimable. Le Béninois n'a pas le temps. Au contraire. C'est malheureux. C'est malheureux. On est d'accord. Il faut obliger les gens bien. Il faut quand même inciter les gens à être plus courtois. Donc, quand la personne vous cède le passage amicalement, il faut le remercier. D'accord. Surtout s'il n'a pas le droit de le faire, il le fait quand même. On est d'accord. Oui. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler de changement de direction. Lorsque vous circulez, vous ne voulez plus aller tout droit, vous pouvez tourner à droite ou à gauche. Donc, on change de direction à droite ou à gauche. Comment le faire? Avant de changer de direction, comme toute manœuvre de la circulation, la première des choses, est-ce que c'est autorisé ou non? Est-ce qu'il n'est pas interdit de le faire? C'est ça, les panneaux là. Il faut remarquer s'il y a ces panneaux. Quelqu'un qui veut tourner à droite et voit ce panneau affiché, il ne doit pas le faire. D'accord. On est d'accord. Il y en a qui est interdit aussi d'aller à gauche. Mais celui-là, par exemple. On est d'accord. Maintenant, il n'a pas que les panneaux d'interdiction. Il y a aussi les panneaux à fond bleu, des panneaux d'obligation. Ces panneaux aussi, quand bien même ce panneau nous oblige d'aller à gauche, voilà, il interdit en même temps d'aller tout droit ou bien d'aller à droite. Donc, c'est aussi une interdition de tourner. Par exemple, de tourner à droite. Ouais. Bon, maintenant, ce n'est pas interdit. Comment le faire? Si ce n'est pas interdit, deuxième chose, donc première chose, j'ai dit, on s'assure que ce n'est pas interdit. Oui. Deuxième chose, le conducteur qui veut changer de direction doit surveiller à l'avant et à l'arrière de la circulation. À l'arrière, à travers ses rétroviseurs. On est d'accord. Interne, à droite ou à gauche, selon qu'il tourne à droite ou à gauche. Après ça, il doit indiquer le changement de direction, indiquer où il va. Et c'est après ça qu'il va commencer par ralentir. J'insiste là-dessus. Il faut indiquer d'abord le changement avec le clignotant avant de ralentir. D'accord. Maintenant, pour freiner aussi, il faut le préciser. Il ne faut pas freiner pour surprendre ceux qui sont derrière. Il faut savoir ralentir. Et enfin, dernière chose, c'est l'emplacement pour tourner. Où est-ce qu'il faut se placer sur la chaussée avant de faire le changement de direction. Okay. C'est très important, l'emplacement. D'accord. Donc, pour parler de l'emplacement, d'abord, lorsqu'on tourne à droite, où est-ce qu'il faut se mettre? En marche normale, on est déjà à droite, on circule à droite. On l'a toujours dit ici. Oui. Vous êtes à droite, donc pour aller à droite, pas de difficulté, vous serrez votre droite. Mais attention, il faut serrer la droite. Vous avez déjà mis le clignotant, vous avez ralenti. Il faut serrer la droite sans se déporter à gauche, ce que les gens ne savent pas. Mm-hmm. Il ne faut pas donner du champ au véhicule à deux roues de vous dépasser par la droite pendant que vous tournez. D'accord. C'est pourquoi il faut serrer pour les obliger à rester derrière en attendant que vous tournez. Il ne faut pas se déporter pour laisser place. C'est très important. D'accord. Là, c'est pour aller à droite. Bon, ça là, c'est pour les véhicules légers. D'accord. On est d'accord. Maintenant, quant aux poids lourds, les véhicules de long gabarit, ceux-là, c'est le contraire, l'emplacement. Quand ils tournent à droite, soit ils se mettent au milieu ou à gauche, avec le clignotant à droite. Mais là, ceux qui sont derrière, surtout nos amis Zemla, ils cherchent toujours à vite passer. C'est dangereux. Ouais. Ils mettent le clignotant à gauche, mais ils laissent eux autres, ils laissent de place à droite. Ce n'est pas pour cela que ceux qui sont derrière vont passer. C'est très important. Ouais. Là, c'est pour tourner parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace pour tourner pour monter sur le trottoir. D'accord. C'est ça, ils ont besoin de ça. Ça, c'est tourner à droite. Maintenant, le problème se pose quand il s'agit de tourner à gauche. On circule à droite, on veut tourner à gauche. On ne reste pas à droite rapidement pour tourner. C'est pas ça. Là aussi, il y a deux cas. D'accord. Pour tourner à gauche, sur une chaussée à double sens, on se met au milieu. Clignotant à gauche, on se met au milieu et on attend si la circulation en sens inverse continue.
Vous me comprenez? Si ça continue, vous attendez. Puisque vous n'avez pas la priorité. Vous ne devez pas couper la trajectoire. Hein. Malheureusement, ce que les Béninois beaucoup font. Donc, on attend. Et c'est quand les autres s'arrêtent, ou bien pas courtoisie s'arrête. Quelqu'un s'arrête. D'accord. Mais le problème aussi, c'est que la courtoisie, elle a déserté le forum. Ah, oui. Parfois, vous pouvez attendre 30 minutes. Les vidéos. Puis, oui. Voilà. Et personne ne vous cède le passage. Tout à fait. Et vous restez là au milieu. Les vidéos, justement. D'accord. On va voir quelques vidéos. Nous avons quelques vidéos que Anou va envoyer. Et puis, on va mieux voir comment il se déplace. Bon, d'accord. Voilà, il avance, il veut tourner à gauche. Vous voyez, il avance et il tourne comme ça. Et après, il tombe en même temps sur sa droite. Mmh. Vous voyez. Donc, il a bien réussi. Lui, il a bien réussi. D'accord. Voilà, il avance et il tombe en même temps sur sa droite. Là, on dirait Porto Novo. Non, c'est Cotonou. Oui, c'est Cotonou. Bon, là, c'est à sens unique. Donc, à gauche, vous serrez la gauche. C'est le deuxième cas, ça. Ouais, et ouais. Voilà, vous tournez comme ça. Donc, j'ai dit, lorsque la chaussée a sens, double sens, on se met au milieu. Mais à sens unique, voilà, là, c'est à double sens. C'est pourquoi vous le voyez au milieu. Vous voyez. D'accord. Et il tourne après. Ça, c'est bien fait. Ouais, c'est bien réussi. C'est bien réussi. C'est comme ça. Voilà. Milieu. Bon, là, il attend. C'est ce que je suis en d'accord, train d'expliquer. D'accord, d'accord. Il attend que quelqu'un lui cède d'abord. Voilà, et maintenant, il tourne. C'est parce que l'autre, il est courtois, le rouge. Oui, oui. C'est ce qu'on devait faire. Maintenant, celui qui tourne doit le remercier. Ah, lui, il a mal. Ah, voilà. Nos amis, là. Ça, là. Parce que c'est papa là, on doit passer. Voilà son clientin. Voilà le clientin. C'est la main. Mais tout vécu minute de clientin ne doit pas le mettre avec la main. Non, les cyclistes. Les gens vous diront qu'eux ne voient pas le clientin, il faut faire la main. Non. le clientin, c'est obligatoire pour tout véhicule. Bon, maintenant. Ah non, ça, c'était le croisement. C'était le croisement de la semaine dernière. Voilà. Donc, lorsque la chaussée, vous l'avez remarqué, lorsque la chaussée, elle est à sens unique, là, ce n'est plus le milieu. Vous serrez la gauche, laissant place à ceux qui vont me dépasser. Ouais. On est d'accord. D'accord. Et si c'est séparé par un terre-plein, vous allez à gauche, vous mettez le clientin à gauche et vous serrez le terre-plein. Vous laissez toute la partie droite à la circulation. Et pour les camions, toujours, lorsque le changement doit se faire à gauche, il reste à droite ou au milieu. Clientin à gauche. Mais une fois que le clientin est à gauche, personne n'a le droit de dépasser par la droite. C'est ça. D'accord. On est d'accord. Belle leçon. Voilà. Pour le jour. Là, c'est à droite, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, serré. Et il va. Ça, c'est comme ça. Il faut serrer la droite quand il s'agit d'aller à droite. Mais là, il y a le panneau stop. Normalement, il devrait s'arrêter d'abord. Tout à fait. Ah, le Béninois, quand il s'arrête, les gens vont commencer par crier. Exactement. On avait dit, on a fait ça. Voilà, ils vont crier. Alors que l'arrêt est obligatoire. Voilà. Non, petitement, on apprendra, on va se mettre au pas. Non, la répression est quand un jour, les gens vont instaurer le permis à points. Ouais. On va enlever les points. Ça va venir. Ça va venir. Merci beaucoup. Voilà le croisement. Merci beaucoup, monsieur Diabeko. Merci et bonne route. Merci à vous aussi. Hein. Okay. À jeudi prochain. Jeudi prochain, nous allons parler d'un chapitre important. Lequel déjà? L'arrêt et le stationnement. L'arrêt et le stationnement. D'accord. Bon, merci. Merci. Bonne route. Allez, on place maintenant à la politique. L'instant politique de ce jour reçoit pour vous Jean-Baptiste Onguet, membre du Bloc républicain. Avec lui, Gilles Dansou évoquera les défis de ce Bloc en construction. Eh bien, le
week-end dernier, ils étaient nombreux au Palais des Sports de Cotonou pour porter sur les fonts baptismaux le bloc progressiste. Alors, samedi prochain, et donc dans 48 heures environ, dans la cité des Koburu à Parakou, le bloc républicain sera porté sur les fonts baptismaux. Alors, avant justement ce congrès, Gilles Dansou se propose aujourd'hui de nous parler justement de la constitution de ce bloc républicain avec Jean-Baptiste Ronguet. Il dirige la coalition Bénin en route qui, à partir du samedi prochain, sera compris dans le bloc républicain. Bonjour, Gilles Dansou. Bonjour, Ricardo. Bonjour, Serge. Bonjour, Gilles. Bonjour, Jean-Baptiste Ronguet. Bonjour, Monsieur Gilles. Voilà, vous êtes membre du comité d'organisation du congrès du samedi prochain, comme l'a dit Ricardo, c'est du côté de Parakou. Est-ce que tout est fait pour eux? Pour l'homme, rien ne peut être totalement prêt, mais nous sommes totalement prêts pour aller samedi prochain pour célébrer la naissance du nouveau bébé dans l'arène politique. Voilà, le nouveau bébé, c'est le Parti républicain, nous l'avons dit tout à l'heure. Et pourquoi le choix spécifique de Parakou? Le choix spécifique de Parakou parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour ces événements, nous avons l'habitude de les faire soit à Porto-Novo, soit à Cotonou. Mais le bloc républicain qui se veut un parti d'envergure nationale, qui incarne l'unité nationale, nous avions décidé de déporter tout ce que nous voulons faire à Parakou pour faire inclure toute la population du Bénin en général et en particulier et nos frères du Septentrion. Est-ce que ce n'est pas un choix stratégique parce que par le passé, on a vu certaines mobilisations du côté de Parakou. Est-ce que ce n'est pas la réponse du berger à la bergère que vous voulez apporter là? Bon, nous ne le voyons pas ainsi. Nous avions décidé de faire notre congrès à Parakou, histoire pour montrer à la population béninoise que c'est un parti véritablement national. Que nous soyons à Cotonou, que nous soyons à Abomey, que nous soyons à Porto-Novo, que nous soyons à Parakou, la mobilisation sera totale. C'est pour montrer que personne n'a, personne n'est propriétaire d'une population, d'une région. Mais aujourd'hui, nous, républicains, nous voulons montrer que Bénin, nous sommes partout au Bénin, nous sommes nationaux et nous pouvons faire la mobilisation partout où on nous mettra. Et en termes de mobilisation, combien de participants ou bien combien de militants vous estimez attendre samedi prochain? En termes de participation congressiste, véritablement, nous attendons 2000 congressistes. Et en termes de mobilisation de militants, nous attendons au moins 30 000 personnes. 2 000 et 30 000 personnes pour samedi prochain. Pour le samedi prochain. Nous allons parler des idéaux du bloc républicain, c'est-à-dire le bloc qui va devenir un parti samedi prochain. Quels sont les idéaux? Qu'est-ce que vous défendez? Je vais peut-être évoquer quelques idéaux ici. D'abord, les républicains, c'est les libéraux. Et nous sommes caractérisés par la compétitivité, la concurrence, d'abord l'unité nationale, et disons tout ce qui a trait à la concurrence. Et vous savez que les républicains, dans les pays que nous connaissons et qui ont une pratique démocratique, lorsque un républicain prend le pouvoir, c'est de transformer le pays, c'est de changer le pays, c'est de construire véritablement le pays. Donc voilà un peu les idées qui caractérisent le bloc républicain. Et justement, en parlant de gestion du pouvoir, depuis la conférence nationale, on se rend compte qu'aucun parti politique n'a cédé au pouvoir. Est-ce que vous avez tiré leçon de ces insuffisances pour pouvoir quand même vous jeter encore à nouveau à l'eau dans la constitution d'un nouveau parti politique? Je suis certain que c'est ça qui a motivé l'actuel chef de l'État à mettre dans son projet de société la réforme du système partisan. Aujourd'hui, c'est en train de prendre corps. Et véritablement, avant les élections de 2019, ça prendra totalement corps. Et désormais, c'est les partis politiques qui vont animer la vie politique,
qu'il y aura certainement dans les années à venir un président véritablement issu d'un parti politique. Est-ce que donc, vous travaillez dans ce sens? Qu'est-ce que vous... Mais c'est cela même qui fait que nous nous acharnons à nous rassembler, à laisser nos égaux, à laisser une partie de soi-même pour se mettre ensemble, pour prendre le pouvoir et pour diriger le pouvoir. Parlant d'égo, les leaders qui se retrouvent au sein du Bloc républicain, au sein du futur parti, est-ce que vous arrivez à accorder vos violences sur certains sujets, notamment la position? Jusqu'à nouvel ordre, nous ne parlons pas de positionnement d'abord, il faut créer le parti. Jusqu'à nouvel ordre, vous devez remarquer que dans le Bloc républicain, nous sommes pratiquement de la même génération. Donc nous n'avons pas de problème de personne, nous n'avons pas de problème de dispute de rang, de position pour le moment. Et je suis sûr que ce problème n'arrivera pas. Parce que l'objectif pour nous, c'est de créer un parti fort. C'est de faire quelque chose, non pas pour soi-même, mais pour la nation entière. Aujourd'hui, faire la politique, ce n'est plus son intérêt personnel. C'est comment développer notre nation. Et pour développer la nation, il n'y aura pas concurrence d'hommes, mais il y aura concurrence de développement. Vous allez sur le terrain de développement. Nous allons sur le terrain à travers la politique. À travers la politique. Et c'est la politique qui peut développer une nation. Ouais. C'est le politicien qui donne l'orientation pour la transformation, pour le changement d'une nation. Voilà, Monsieur Onguet, le PRD est parti du Bloc républicain. Comment est-ce que vous avez reçu cela? Est-ce que ça a été un coup dur pour vous au niveau du Bloc? Non, ça n'a pas été un coup dur parce que d'abord, quand on prend la coalition Bénin en route, qui est déjà même un bloc qui couvre tout le territoire national, déjà, nous avions déjà fait un travail. Personnellement, je parle de nous. Le départ du PRD n'a rien émoussé en nous. Au contraire, je crois que ça nous a donné encore un orgueil, un sursaut d'orgueil pour vraiment aller jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à la création de ce grand parti. Sans faire dans la langue de bois, M. Onguet, la coalition Bénin en route n'a pas forcément la même assise politique que le parti du Renouveau démocratique. Non, vous parlez du passé. Dans les jours à venir, vous allez voir si la coalition Bénin en route n'a pas la même assise que le PRD. Nous, on voulait aller aux élections seules. Mais nous avons un leader charismatique qui dit non, je veux un regroupement. Nous sommes alliés. Vous allez voir ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les mois à venir. Et c'est vrai qu'il parle du passé, il évoque le passé, mais il est dans le concret. Qui? La question de Ricardo tout à l'heure, en parlant du PRD. Je dis, vous dites des choses du passé. On parle du présent. Il est dans le concret, le passé. Non, on parle du présent. Certainement, certains partis politiques comme le PRD ont fait le temps. Et les électeurs de ce temps-là ne sont pas les électeurs d'aujourd'hui. Et quand on va faire le bilan de chaque chose-là, des actions de chaque parti, vous allez voir qu'en réalité, ces partis ne nous ont amenés nulle part. Si nous avions amené nulle part, vous aurez vu que les partis auraient désigné déjà un candidat en leur sein qui serait peut-être président de la République. À partir de ce moment, c'est un échec total. À partir du moment que c'est un échec total, il faut remettre les choses en cause et reconstruire la nation avec un nouveau, de nouveau rassemblement pour vraiment transformer, pour faire quelque chose au pays, pour impliquer la jeunesse dans la gestion des affaires de ce pays. Mais il est question d'expérience aussi, d'expérience politique sur le terrain. Vous n'en avez pas encore, pas du tout? Ah non, non, je vous refuse ça. Ouais. En matière d'expérience politique, ouais. Peut-être, si vous parlez d'agent, je peux être d'accord. Mais en matière d'expérience politique, nous étions dans la politique, même à la conférence nationale. Donc vous êtes comptable de ce qui arrive aussi? Non, justement. Vous ne pouvez pas dire, si vous dites que c'est un échec total, c'est que vous êtes comptable. C'est un échec total, parce que la façon dont les partis avaient été créés, ouais, ne pouvait que donner ces résultats-là. Ne pouvait donc c'est donner pratiquement ces un mea culpa. C'est un mea culpa national. D'accord, il faut changer les choses. C'est pourquoi je dis, nous rendons grâce à Dieu que nous avons un président qui s'efforce à changer les choses. Et c'est pourquoi nous nous mettons en phase avec lui pour aller à ce grand regroupement-là qui désormais, peut-être à partir de 2021,
le président de la République peut sortir et du bloc. L'un de ces blocs. Puisque vous parlez aussi bien, M. Onguet, du bloc républicain qui, selon vous, a une certaine expérience, qui, selon vous, pourrait remplacer le vide créé par le PRD quand ce parti est sorti du bloc républicain, s'il arrivait justement que la coalition Bénin en route, dont vous êtes le président, je présume que vous avez envie d'aller aux élections législatives, s'il arrivait qu'on ne vous positionnait pas. Notre objectif, l'objectif de Bénin en route, ce n'est pas la personne de Jean-Baptiste. C'est là la différence entre ce que les anciens partis font. Je ne suis pas président et PDG de la coalition Bénin en route. La coalition Bénin en route, c'est un regroupement de partis politiques et de mouvements. Même si on n'était pas allé dans un bloc et que les membres de cette coalition décident que le président Jean-Baptiste Ndongue n'aille pas aux élections législatives, je me soumettrai. Parce que ce n'est pas seulement à l'Assemblée qu'on peut servir la nation. Mmh. Je me soumettrai. Et c'est cela, tout le monde connaît ça. Et ce sera sans regret. Et ce sera sans regret. Et vous allez travailler pour. Et je vais travailler pour. Vous avez dit tout à l'heure qu'au niveau du bloc républicain, c'est une question de génération. Vous êtes toutes pratiquement de la même génération. Où est-ce que vous placez la jeunesse dans tout ça? Je dirais que la jeunesse est au cœur aujourd'hui de la création du bloc républicain. Si vous voyez et si vous regardez autour de la table du bloc républicain aujourd'hui, la tranche d'animation, c'est 50 ans. Donc, nous sommes de la même génération. J'ai vu des gens avec qui j'ai fait l'université et je dis, ça y est, prenons ce pays-là, changeons quelque chose pour les générations futures. Ce que nous désirons faire, c'est de faire en sorte que dans les 5 ans, 10 ans à venir, que le pays soit transformé. Et que un jour, qu'on puisse écrire dans les annales de l'histoire de ce pays que telle ou telle personne a participé à la transformation, à la construction de ce pays. Nous voulons que notre pays se développe dans les 10 ans à venir, dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, dans les 15 ans à venir, que le Bénin soit un peu à l'image de l'Éthiopie, par exemple. Et que le Bénin, au moins qu'on puisse connaître beaucoup d'axes de développement, qu'on puisse avoir beaucoup d'industries pour endiguer le chômage de la jeunesse. Donc, de ce fait, je crois que la jeunesse est tellement impliquée dedans. Et si vous voyez ceux qui travaillent, c'est rien que les jeunes qui travaillent. Monsieur Ohongue, je vais revenir, si vous le permettez, sur la question du PRD. Est-ce que vous avez invité les responsables du PRD à Barakou? Les responsables du PRD sont nos amis, nos partenaires. On les a tous invités. On a invité tout le monde. On a invité les autres partis aussi. On ne fait pas dans la dentelle. Nous ne sommes pas un parti sectaire. Nous ne sommes pas un parti régional. Nous sommes un parti national. À partir du moment où nous voulons construire l'unité nationale, nous ne pouvons pas exclure certaines franges de la population ou bien de la politique. Quand vous dites les autres partis aussi, vous le parlez de qui? Nous avions invité tout le monde. Vous avez invité l'UDBN? Pourquoi ouais. pas? Nous avions invité l'UDBN. Ah bon? Vous avez invité FCBE? Et pourquoi pas? Merci. Nous verrons samedi, bien entendu, si tous ces partis politiques ou ces coalitions seront représentés à votre congrès. Et dites-nous, au niveau du parti qui va naître, est-ce qu'il n'y a pas des velléités pour diriger? Non, et je crois que nous avions compris. Nous avions compris. Les appétits ne naissent pas. Nous avions compris. Et qu'est-ce que nous sommes en train de préparer là? C'est d'abord de laisser ces velléités-là qui peuvent empoisonner et la naissance de ce parti-là. Mmh. Et nous allons trouver les moyens. Encore que c'est un défi pour la jeunesse. C'est un défi pour la jeunesse de montrer à la classe politique vieillissante que nous pouvons faire les choses autrement sans toutefois accrocher à un poste. Cette classe vieillissante, elle est toujours avec vous? Vous voulez parler des progressistes? Non, je n'ai jamais dit ça. Bon, vous parlez de qui alors? Non, je parle de la vieille classe politique. Et la vieille classe politique, c'est qui? Elle est où? Elle est où? Elle est partout. Mais ouais, j'aime bien votre ironie. Elle est partout, vraiment. Elle est partout. Les progressistes ont sorti le baobab samedi dernier. Qu'est-ce que vous nous sortirez à Parakou? À ce que nous allons vous sortir,
c'est d'abord le Bénin qui incarne l'unité nationale avec un fond vert qui symbolise l'espoir et un cheval conquérant blanc qui symbolise la virginité, la sincérité, la franchise et la victoire. Le tout sur le fond vert clair. Est-ce que ce ne sont pas là des idéaux un peu dans le mirage que vous nous faites voir là? Et pas du tout. C'est du concret. D'accord. C'est du concret. Et vous devez remarquer que, bon, sans le savoir, hein, parce que ce n'est pas nous qui avons fait la conception de ce logo, ça a pris beaucoup de Bénin en route. À partir de ce moment, moi, j'invite les jeunes qui ont cru à la coalition Bénin en route de nous rejoindre, que ce soit dans la partie centrale, dans le centre, dans le sud, de nous rejoindre pour que nous puissions créer ce parti et aller de victoire en victoire. Aller de victoire en victoire, c'est sûr, vous parliez des législatives de 2019. Et dites-nous, quelle assemblée, quel type de député il nous faut aujourd'hui pour défendre véritablement les populations? Je souhaite véritablement que l'Assemblée nationale soit regorgée de 75% de jeunes. 75% de jeunes. Vous voulez carrément évacuer? Non, j'ai parlé de 75%. Ça, c'est mon souhait. 75% de jeunes pour accompagner l'actuel président avec de nouvelles idées. Vous savez que de 90 à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, maintenant, nous avons des portables Android, nous n'avions plus de portables anciens. Donc, nous voulons... Il faut transformer ce pays. Il faut que ce qui doit nous guider dans la tête doit être comment faire pour changer le pays. Ce n'est pas le bien personnel. Parce que le bien personnel ne vous amènera nulle part. Vous allez mourir, vous allez laisser ça. Mais qu'est-ce que vous allez laisser à la postérité? C'est ça qui doit nous guider. Vous voyez, ceux qui imaginent, ceux qui construisent les portables, par exemple, hein, c'est des gens qui ont fait ça là pour les générations futures. Nous voulons être à l'image de ces gens-là, construire le Bénin pour les générations futures. Non pas pour soi-même, non pas quand on vous met dans une position, vous détruisez tout, ce n'est pas ça. Mais construire pour l'avenir, construire pour la jeunesse, construire pour nos enfants, construire pour que, enfin, que le Bénin puisse être prospère. Construire pour la jeunesse, est-ce que les formations vont dans ce sens? Est-ce que vous parlez à la jeunesse? Est-ce que vous les mobilisez? Est-ce que vous leur donnez des directives pour construire pour l'avenir véritablement? Mais c'est ce que nous essayons de faire depuis plus d'un an à la coalition Bénin en route. Aujourd'hui, cette coalition intègre l'un des membres fondateurs du Bloc républicain. À partir de ce moment, j'estime que nous sommes nombreux. Nous allons envahir ce Bloc républicain-là et défendre nos idées. Parce que pour nous, il faut que désormais dans nos hôpitaux, que les plateaux techniques soient garnis. Que dans nos écoles, que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Que sur la route, sur nos routes-là, que nos routes soient réellement construites pour insuffler le développement. Qu'il y ait beaucoup d'industries pour endiguer le chômage. Il faut que nous nous mettons véritablement sur la route de développement, sur l'émergence. C'est ce que c'est les idées que nous défendons et c'est les idées que nous allons défendre au sein du Bloc républicain. D'accord. Alors, M. Jean-Baptiste Rongain, en attendant que les routes ne soient construites et tout le reste, quel type de discours voulez-vous tenir devant les citoyens, vous qui êtes du Bloc républicain, pendant que le Bloc progressiste également est là et travaille pour la mouvance présidentielle? Vous allez vous combattre sur le terrain? Non, le discours que nous allons au Bloc républicain annoncé à la population, c'est un discours d'espoir. Je prends, par exemple, M. Gilles qui est devant moi. Ses intentions peuvent ne pas être mes intentions. Moi, je pense construire le pays de telle manière. Lui pense que c'est d'une autre manière qu'il veut faire. Mais nous allons apporter nos idéaux devant la population. Il revient à la population de faire son choix. Et je sais que les républicains, c'est tous ceux-là qui construisent les nations. Et les progressistes aussi diront la même chose. Je leur concède ça. Et nous ne sommes pas dans une concurrence. Vous travaillez tous pour nous travaillons la mouvance, tous pour la mouvance, absolument. Et comment se fait ce travail entre progressistes et républicains? Bon, il y a des concertations. Parlez-nous un peu de ces concertations. Non, il y a des concertations. On se limite à ça d'abord. Il y a des concertations.
Juste des concertations. Juste des concertations. Au-delà des concertations, vous défendez les idéaux prônés par le chef de l'État. Est-ce que vous les mettez dans la balance pour pouvoir prendre ce qui peut véritablement engager le peuple? Absolument. Absolument. Nous sommes dans la vision du chef de l'État. Et ce chef qui n'a que reflet, qui n'a que souci, comment, pendant son mandat-là, qu'on puisse dire voilà un héros. À partir du moment, il faut l'aider, il faut l'accompagner pour la réussite de sa mission. Et nous sommes dans cette posture. D'accord. Il paraît hein, que le chef de l'État lui-même aurait un faible particulier pour les Républicains. Cela, ça vous séduit ou bien ça vous galvanise? Mais ça nous réjouit. Ouais. Et je vous conseille, c'est vous qui le dites. Vous le saviez? Non, c'est vous qui me l'apprenez. Ça vous fait sourire. Absolument, je suis heureux. De le savoir. Et ça ne peut en être autrement. Ça ne peut en être autrement. De par la carrière de l'homme. On se comprend. D'accord, vous êtes tout simplement heureux de savoir que, de toutes les façons, il vous porte tout autant qu'il porte les autres également dans son cœur. Et d'ailleurs, c'est tous les Béninois. Donc, la rencontre, c'est samedi prochain à Parakou. La rencontre, c'est le samedi prochain à Parakou. Et je voudrais inviter tous les Républicains, en particulier et en général la nation béninoise, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez de religion endogène, qu'on puisse organiser, que chacun puisse organiser dans son temps des séries de prières, des séries de recueillements pour prier, pour demander l'onction, la bénédiction sur la naissance de ce parti. Parce que la création de ce parti, c'est le développement qui est amorcé. Peut-être une dernière question, hein, avant peut-être que Gilles ne puisse conclure cet entretien. Quel avenir pour le Bloc républicain après les législatives, selon vous? Et ce qui va étonner beaucoup de personnes, puisque le Bloc républicain se crée sur la base de la sincérité, là. Pour aller aux élections. Pour aller aux élections. Nous irons aux élections sans fracture. Et après les élections, nous nous retrouverons encore pour organiser ce que nous avions appelé le congrès ordinaire. Est-ce qu'après les élections, quel qu'en soit le résultat, quel qu'en soit le schéma, vous allez toujours vous retrouver, continuer à travailler ensemble? Mais on a créé un parti en abandonnant nos anciennes chapelles politiques. À partir de ce moment, on ne peut plus reculer, nous ne pouvons plus reculer. Nous devons avancer pour aller jusqu'à l'objectif que nous sommes définis. Peut-être un message avant de conclure. Je voudrais inviter la population de Parakou, et sans être l'un, je suis quand même un peu de Parakou. Vu votre... absolument, on vous sent bien en route pour Parakou. Voilà. On le constate. Je voudrais inviter la population de Parakou, ses environs, que ce que nous voulons faire le samedi, c'est pour le Bénin en général, mais la population de Parakou est plus que concernée. Elle est privilégiée. Elle est privilégiée. C'est un honneur que nous donnons à cette population. Et demander à la jeunesse de Parakou et ses environs de rejoindre le Bloc républicain, devenir nombreux, quels que soient les obstacles, devenir nombreux. Et de ne pas écouter les sabotages, que le parti naîtra. Et ça serait un regret pour ceux qui ne seront pas de la partie. Parce que pour une première fois dans l'histoire politique depuis 1960, un grand parti va naître dans le septentrion. C'est une première. Donc je les invite à se mettre debout déjà à 6h du matin, le samedi 8 décembre, que la salle et que la place où nous avions réservé pour organiser... C'est où la salle Bioguera. Que la place Bioguera plutôt, que cette place soit bondée de monde pour montrer leur engouement, pour montrer qu'ils ont accepté la naissance de ce parti-là. Je conseille, je connais la population de Parakou, elle est une population jeune, elle est une population obéissante, elle est une population qui aime qu'on leur fasse honneur. Donc nous leur
nous leur tendons la main, il faut qu'elles viennent massivement pour accompagner la naissance de ce grand bébé-là. Voilà, merci Jean-Baptiste.